Tiens. Hey, vous avez dit que si Bonita jouait, tout irait comme il faut. D'accord, je ne t'ai pas parlé de ce fantôme meurtrier. J'ai cru que tu aurais peur. Dame, je suis un psychonaute. Dites-moi seulement comment monter dans les cintres où il se cache et... Désolée, c'est impossible. Eh bien, je crois que dans cette pièce, on faisait descendre ce décor de montgolfière des cintres avant de la remonter là-haut. Si tu le trouves, ou même celui de n'importe quelle autre pièce, apporte-le-moi et je ferai la distribution. On aimerait tellement mettre la main sur de nouveaux textes. Mais qu'est-ce que c'est? Un nouveau script? Chevalier. Bizarre. Ça sent le pop-corn et ça ne dit pas dans quel décor il faut le jouer. Non, tant pis. On va le jouer avec ce qui est sur scène. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Oh, tiens, tu peux être mon assistant. Utilise le mégaphone si tu veux faire rejouer la pièce. Ok, nouveau script, tout le monde. On répète. Excellent. Ok. D'accord. Ça, oh non, c'est... je sais pas, ça fait un truc bizarre ici. Mm-hmm. Tu dis ça, mais c'est vrai. Bah oui. C'est de, c'est compté comme de la vraie eau pour notre pour pauvre rase. Même de l'eau en carton, voilà. Même l'eau en carton, ça le stresse malheureusement. C'est triste. Il y a des bribes qui sont apparues. Il y a quelques bribes aussi qui apparaissent. Ah oui, si on veut passer derrière, on va passer par là. Ride on ride. Je dois être trop loin. Vous voyez cette... On va faire un peu de discussion. Tire-toi, petit Jarrett. Tant que Jasper et ce fantôme seront là, je resterai ici à me vautrer dans ce tourment pailleté. Le spectacle doit continuer. Eh ben, il continuera sans moi tant que Jasper Rolls et ce fantôme seront là-bas. Désolé, petit. Vous n'avez pas peur du fantôme, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas de lui que j'ai peur. C'est de ce gros-là qui s'accroche au flanc du théâtre comme une tique gonflée de sang qui en suce la vie. Oh. Il a toujours été là, mais pas toujours aussi gros et bruyant. Je ne l'entendais pas du tout, en fait, jusqu'à ce que la mère de Gloria arrive sur scène. Il n'a pas aimé non plus sa prestation? Non, arrive vraiment sur scène. Plaf! Elle a sauté des cintres quand Gloria était à Paris. Oh. Ouais, c'est aussi ce qu'a dit le concierge. Je vais vous laisser maintenant. D'accord, ok, on en sait un petit peu, on apprend des choses. Eh, hey, c'est quand même mieux d'avoir cette musique. Oui. Ta-ta-ta-ta-ta. Si on était un peu triste. Alors je pense que le truc qu'il va falloir faire... Donc logiquement, si on retourne ici, je crois... On retourne à l'autre pièce. Voilà. Je serai la vedette de ma propre comédie musicale sur Broadway.
Ouais. Oh là, ma foi! Quelle est cette douce odeur dans l'air? Tournoyons et festoyons autour de ce mât de fête à jamais jeune et en vie! Oui! Quel jeu d'acteur. Je sais pas si on sera au mois de mai quand elle sortira cette vidéo. Ouais, il y a des bribes à récupérer dans chaque tableau. Il y en a quelques-unes aussi qui traînent comme ça en mode... Ouais. Alors, je pense qu'il va falloir... Changer l'humeur. Faire de l'impro. Oh ouais, regarde, ça te donne des éléments pour monter. Ouais. Bienvenue à l'école Agatha Home pour filles, où tu vas entamer ta longue et difficile formation en discipline théâtrale. Ouais, c'est une école de théâtre. Mais je ne veux pas étudier le théâtre. Je veux que ma mère vienne me chercher tout de suite. Ta maman doit s'occuper de sa carrière et de son amant. Elle n'a pas de temps à accorder à une vilaine petite fille comme toi. Il n'y a rien de plus pénible que les larmes d'une gamine trop gâtée. L'heure est venue de souffrir pour ton art. Tiens. L'amour fier là. Déjà, on voit qu'il y a des... de quoi t'accrocher, ah oui, et du coup... deviennent... agressif. Ah! Le chien crache du feu, ouais. Viens, toutou. Tu peux pas le tuer, je crois. Tu peux pas l'assommer, si. Si. Tu sais. Ah, si. Ah, tu lui dis acteur comme ça. Oh non, j'aimerais... La bribe. Mais... Ah, ok, il faut se déplacer un petit peu. Ok. Tac. Hey, voilà la montgolfière dont j'ai besoin pour atteindre les cendres. Bon, si je pouvais leur faire jouer une pièce qui la fait descendre, je pourrais grimper dans les cendres et m'occuper de ce fantôme. C'est quand même vachement inventif, hein, le gameplay de ce jeu. Je trouve. Là, en gros, on va devoir à chaque fois jouer avec les décors et les pièces de théâtre. Ouais. Encore qu'on la travaille un peu. Ma mère, parle-moi de ce père qui m'a renié. C'était un grand chevalier. Entends-tu son estrier? Oui, passe sans t'arrêter, père sans cœur. N'aie même pas une pensée pour ta fille en pleurs. Ordure. C'était totalement gratuit. Alors ici, ça ne fait rien. Donc on va aller dans l'autre zone. Déjà, on va voir ce que oui, ça fait. Oui, déjà, on va voir ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, il y a le dragon. Où es-tu donc, insaisissable paquebot? J'attends impatiemment que le rivage de ma solitude soit éventré par ta robuste quille. Le paquebot ne viendra pas pour toi, gamine. Le paquebot ne viendra peut-être pas, mais je crois que je vois arriver le train postal dans le tunnel. Le train postal? Ah! Il m'apporte certainement une lettre de ma chère mère qui m'a abandonnée dans cette école de filles il y a si longtemps. Un dragon? Ah!
dragon, en effet. Tu as été trompé et brûlé. Incroyable. Ok. Et là, ça craint. Déjà, je voudrais essayer de... Chou, je sens que ça brûle. C'est le boxon. Ouais, il faut encore qu'on la travaille un peu. Ma mère, parle-moi de ce père qui m'a renié. C'était un grand chevalier. Bon, ça on a vu. Entendu son destrier. Bam. Et voilà. D'accord. Okay. Bon, allez, c'est reparti, c'est la fête. Moi, à chaque fois, c'est la fête. Pour utiliser ça pour grimper. Ouais, c'est un escalier. Ouch. Crève. C'était un grand chevalier. Hop, là, le jour au Pago a accosté. Nickel. Ok. Ouais, il y a un truc ici. Non, alors je pense que là, tout simplement, il va falloir qu'on revienne sur la... Sur la joie. C'est ça. Donc voilà, toute la mécanique va reposer sur les pièces de théâtre, les scènes qu'on va devoir bouger, et l'humeur qu'on veut donner à la pièce. On est quand même mieux ici. Ah, peut-être qu'il fallait utiliser le paquebot direct. Ah, je sais pas. Je sais pas, on verra. Après, cela dit, on a quand même de l'eau sur ce tableau. Mmh. Donc, ça marche peut-être. Oh, un autre script. Le jour. La tête où qu'elle fait. Oh, là, en même temps, t'as entendu. Bon, je vais me suicider. Ok, tout le monde. Chacun à sa place. Donc, on va voir si on a bien fait. Action! Allez, c'est parti. On est au bon endroit. Je dis que je crois que je vois le paquebot approcher. Magnifique. Ah, a-t-on jamais vu bateau plus beau et plus resplendissant? Êtes-vous Miss Gloria Van Gouten? Oui! Alors, tous ces sacs et paquets de courriers d'admirateurs parfumés à la lavande doivent être pour vous! Oui. Trop bien. C'est pas la même ambiance, hein. On est mieux ici, hein. Personne pour nous agresser. Ah bah il se barre. Ok, salut, au revoir. Merde. Bah fallait peut-être laisser en son... On va voir les deux, hein, de toute façon. Ouais, de toute façon dans les deux t'as un passage avec de l'eau. Donc t'as besoin de... Bon, comme je disais, en plus, hein, j'ai pas vraiment de souvenir de ce... Ce niveau-là, oh, en fait. Le retour. Ok. Heureusement qu'il rejoue pas les scènes à chaque fois, sauf avec le chevalier. Je dois être trop loin. J'arrive. Il doit être trop loin. Ouais, il faut encore qu'on la travaille un peu. Yep. Je dis que je crois que je vois le paquebot. Bonjour. Ah, a-t-on jamais vu bâton plus beau et plus resplendissant? Désolé, pas de courrier pour toi, Mouté. Dans ta face, Bouddha. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Poussez-vous. Pourquoi on peut... Alors pour le moment, je vois pas trop l'intérêt d'appeler le bateau. Ouais, c'est bizarre. Alors est-ce que c'est dans l'autre zone? Mais il n'y avait pas de flotte? Je crois pas. Non, il n'y a pas de flotte dans l'autre. J'ai du mal à saisir. Ok.
Et nous, on va perdre toute notre vie. Parce que c'est beaucoup trop chiant. C'est mieux le monde de la joie, vous croyez pas? Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, bordel? Super, je suis coincé. Merde, tu nous embêtes. Parce que là, en fait, il faudrait que je puisse monter ici, mais dans l'autre... Dans l'autre, parce que... Oh là là, putain, c'est vraiment horrible. Bon, attends, on va... on va récupérer ça. Ça commence à bien faire. Voilà. La paix. Ça, on est tranquille. J'ai là, je comprends pas. Ouais, j'ai pas compris. Non. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il. Si ça me permettait de grimper. Et vu que je peux pas monter ici. Oui, bah ouaf. Bah oui, comment on monte? Parce que là, en fait, si je pouvais monter, ça me gênerait pas, mais bon. On peut pas. Je vais essayer d'aller dans l'autre zone et tenter voir ce qui se passe. Peut-être que ça aura une réaction, en fait, quand même, dans cette zone. Ah, peut-être. Bon, on va passer un peu les dialogues, hein, parce que... J'ai dit que je croyais que je voyais le paquebot approcher. Je me demande pourquoi ce paquebot met autant de temps à arriver alors que j'ai clairement déclaré que je le voyais arriver. On ne trouve pas les roues du bateau. On est censé avoir de l'eau pour que le bateau flotte dessus. Pas travailler dans ces conditions. Ça suffit, moi j'appelle mon agent. D'accord. Mais on a vraiment besoin d'eau, ouais. Attends, on va voir. J'ai envie de tester, de faire des tests en vrai. Bon, peut-être qu'on pouvait faire quelque chose avec le bateau, mais j'ai pas compris. Peut-être ça, je sais. Putain, le tir c'est devenu tellement puissant. C'est incroyable. Alors, je me mets là en mode peut-être qu'il se passera un truc si je le fais. On va éviter de... Bon là c'est la même chose. Je me demande si le capitaine de ce bateau a envie d'une raclée. C'est peut-être pour ça qu'il met autant de temps à l'amener sur scène. Quelqu'un peut venir m'aider à traîner ce truc? Traîner? Ça, non. Regardez, le paquebot a coulé, tout le monde est mort, rideau. Ouais, d'accord. Mais regardez, c'est une blague, regardez. Je peux clairement sauter avec ça. Assez haut, normalement. Bon, alors, faut vraiment être dans l'autre zone. Et bah, faut juste que je comprenne ce qu'il faut faire. Peut-être que je peux parler à elle pour avoir des infos. Attends. Oh, merci. C'est du bon boulot, Mickey.
Là, ça me fait sortir direct le... D'accord. Oh. Oh. Oh, merci. Dis-lui, par exemple, qu'il me dit rien. Excusez-moi, monsieur Rolls, mais est-ce que vous avez d'autres scripts? Tu as goûté à l'excellence et tu reviens mendier à genoux une autre dose de théâtre de qualité. Pas vraiment, mais je crois que si je trouve une pièce qui utilise les accessoires comme il faut, je pourrais m'en servir pour rejoindre les cintres et affronter le fantôme. Eh bien, malheureusement pour toi, c'est le dernier script que je gâcherai dans ce théâtre minable. Je garde le reste pour Broadway. Dans les décors, je suis sûr que tu trouveras des scripts lamentables là-bas. Oh, mais mieux vaut ne pas faire ça, parce que ces scripts ne t'aideraient sûrement pas à rejoindre les cintres, qui sont d'ailleurs très dangereux, alors laisse tomber. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Bon, en tout cas, tuer les ennemis avec le tir, ça se fait bien. Peut-être qu'il y a un pouvoir que j'ai pas utilisé qui pourrait m'aider. Faut que tu te laisses emmener par le bateau. De quoi? Pense. Je comprends ça comme ça. Bon, excusez-moi, alors on... Regarde, dans le monde positif, avec la flotte. Ah, d'accord, ok. Oh, mais tu vois, j'aurais pas cru, en vrai. Bah, moi non plus. J'avais l'impression que ça te tuait. Dans le monde positif, hein. Ouais. Donc la joie et la flotte. Et tu ramènes le paquebot. Il faut qu'on se fasse emmener, d'accord. Ouais, faut que tu te fasses emmener okay. Par le bateau, et normalement, ça va te sortir une troisième scène. D'accord. Ah, je crois. Pas cru, en vrai. Il me semble avoir compris ça. J'aurais pas pensé à faire ça, en vrai. Donc le paquebot. Bla 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 bla. Des lettres de fans, oui, on sait. Oui. Donc tu te laisses emmener. Ok. D'accord, j'aurais pas cru en vrai. Et on va se retrouver sur une troisième scène. Ok. Ouais, du coup, on a le bateau qui s'est arrêté là, qui se déplace pour te permettre d'aller et venir parce que. Il y a de l'eau. Mais on s'en fout. Alors, nouveau script. Adieu à Gatoron. Et donc, là, on peut monter. On peut passer là pour revenir dans l'ancienne zone. Tout à fait. On revient sur la zone 2, on va dire, avec la flotte. Et là, il y avait une bribe. Du coup, faudra essayer de voir si, pareil, tu peux pas te laisser emmener par le bateau bah, sur la scène négative. Ça t'emmène logiquement sur cette pièce, en fait. Ouais. Et du coup, tu vois mais peut-être le suicide... Magnifique. Ouais, tu vois peut-être le suicide justement de la, ouais, de la mer. Attends, ou bah, de toute façon, on va tester. Hein. Oui, bah oui, on faut tout tester. Hein. Ouais, on va tout voir. Ça, on vous fait voir le max. Hein. Et encore une fois, c'est pas si évident que ça. Bleh. Après, il fallait bien se douter qu'il y a quelque chose avec le bateau, mais. Je t'en prie, dis-moi, mon cher adversario véreux et prétendu amant, dois-je vraiment envoyer ma fille unique Gloria à l'école pour fille d'Agatha? Oui, et immédiatement, avant qu'on vive notre carrière. Je veux dire ta carrière. Ah, génial. Non, jamais je dirais. Ne t'en fais pas, chère petite fille, car tous les jours je t'écrirai. Oui, et je posterai les lettres personnellement.
Ah, d'accord. Super. V'là l'ambiance, hein. Ok. Bah, pour le moment, je pense que le seul truc qu'il faut faire, c'est revenir sur la première zone avec le nouveau script. Ouais. Il y a de faire agresser, hein. Adieu, Agatha Home. Hey, je crois que c'est celle avec la... On se dépêche, tout le monde. On commence. Et toi aussi, petit. Tu dois te dépêcher de grimper sur ce ballon si tu veux monter dans les cintres. Et... action. Oh, quand ma mère va-t-elle venir m'emmener loin de cette épouvantable école de filles? Ne t'en fais pas, car il me semble l'avoir vue flotter près d'ici, à bord d'un ballon magique. Hé, hey, c'est le moment du ballon magique, débile. Hé, hey, il n'y a pas de ballon magique dans ce décor. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de descendre, de coller une raclée. Alors fais gaffe. Ok, faut être dans le décor positif. Donc faut être dans le premier décor. Oh bordel. On va tellement vite quand on brûle. On pousse. Voilà. Voilà, merci. En plus ça fait rire au public, c'est génial. Ah oui, c'est vrai qu'on a des bribes à récupérer ici aussi. Yep. Hop. Donc là on va retourner. Ah, il y a une brique que j'ai oubliée, tant pis. Donc là le but c'est de retourner sur la première zone. Laissez-moi passer. Bordel de merde. Et là, on va changer. On va faire. Attends, on va débarrasser des gens déjà. Voilà. Oh, ce carnage qui sur les queues. Oh, tire-toi de la scène. C'est toi. C'est toi qui vas te tirer de la scène, ouais. Voilà. Donc, mégaphone. Ouais. Oh non! Mais que t'arrive-t-il, petite fille? Eh bien, ma famille m'a abandonnée il y a bien longtemps dans un endroit détestable et je me demande si on va revenir un jour me chercher. Ah, ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils vont venir te reprendre et tu n'auras plus jamais à penser à des endroits comme celui-là. Non, jamais. Hé, hey, c'est vrai. Il me semble les voir. Yo. Bonjour, ma chère fille bien-aimée. Nous sommes revenus te chercher. Viens avec nous, sois heureuse et ne repense plus jamais à ce terrible et triste endroit. Ouais! C'est trop joyeux pour cette zone. Et fin. Allez, c'est bon.